Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment ajouter ou supprimer une colonne dans une section Elementor. Donc en fait, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de positionner votre curseur sur l'icône de modification en haut à gauche de la colonne, enfin d'une colonne de votre section. Vous faites un clic droit et là vous voyez que vous avez le champ Ajouter une nouvelle colonne. Donc, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il affiche automatiquement une nouvelle colonne. Alors ici, c'est pas très parlant puisqu'il n'y a pas de contenu dedans. Donc ça vous permet juste d'ajouter l'élément colonne. Il faudra ensuite que vous veniez ajouter un élément de votre choix. Donc je vais vous montrer maintenant la seconde façon de faire. Donc pour cela, je vais vous montrer en même temps comment supprimer une colonne qu'on ne veut plus dans une section. Donc voilà, vous voyez, on est revenu à une seule colonne. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon d'ajouter une colonne donc dans notre section. C'est tout simplement en se mettant sur la première, vous faites un clic droit et vous. Pardon, je reviens ici. Il faut donc toujours vous passer sur Modifier et vous cliquez sur Dupliquer. Voilà, je cherchais, c'est ici. Voilà. Comme ça, vous avez votre contenu qui est dupliqué. Donc ça va vous servir si vous voulez faire des éléments relativement semblables, notamment en termes de style, et où vous n'aurez plus qu'après à modifier le texte et ou les images. Donc voilà, ce sont deux façons de faire. Je vous rappelle que pour supprimer, vous faites un clic droit sur Modifier et vous cliquez sur Effacer. Pensez toujours à enregistrer le brouillon régulièrement, voire à publier quand vous avez besoin. Donc, avant de vous quitter, je vais vous montrer dans une section où il y a déjà deux colonnes, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, on fait un clic droit, on clique sur Ajouter une colonne et on a bien une troisième colonne qui s'insérait entre les deux premières. Voilà, bien écoutez, je vous invite à liker ce tuto, à le partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!